Bien. Vous savez, de toutes les espèces peuplant cette merveilleuse planète, eh bien, le crocodile, ou du moins les animaux comparables à ce dernier, ont toujours eu la place de la prédation absolue, incarnant le démon aquatique. Ces espèces ont pu traverser les siècles et ont su s'imposer dans le monde du règne animal. Et selon l'état actuel de nos connaissances, eh bien, sachez que nous distinguons trois grandes familles bien distinctes, à savoir les crocodilidés, les alligatoridés et enfin les gavialidés. Et dans ce cours, nous aurons le privilège de découvrir quelques espèces issues de ces familles, puis de nous attarder sur certaines de leurs caractéristiques afin de pouvoir mieux les différencier à l'état sauvage. Qui sait, peut-être que certains d'entre vous seraient amenés à les étudier plus en profondeur. Et pour les autres, eh bien, disons qu'un apport en culture générale est toujours le bienvenu. Bien, alors commençons sans plus attendre cette découverte par la première famille, celle des crocodilidés, et plus particulièrement avec le crocodile du Nil. Vous savez, il s'agit là d'une espèce qui se rencontre majoritairement dans une grande partie du continent africain. Du moins, il s'agit là de son milieu d'origine, puisqu'elle peut également être observée sur le continent américain, et plus particulièrement en Floride, où elle a certainement dû être introduite par l'homme, et par erreur d'ailleurs. D'autant plus que ce crocodile s'est parfaitement bien adapté à cette région du globe. Mais pour ce qui est de son milieu naturel, eh bien, contrairement à l'idée qui peut découler de son nom commun, le crocodile du Nil ne vit plus dans le Nil égyptien, mais à partir de la troisième cataracte du Nil, soit au Soudan. Voilà. Bien entendu, il s'agit là d'une information, purement à titre indicatif. Et poursuivons la description de cette espèce avec le sujet de son habitat. Alors, sachez que c'est une espèce qui fréquente des habitats très diversifiés, à savoir des lacs, des fleuves, des marais, donc des marais d'eau douce, ainsi que des points d'eau saumâtres, ça peut arriver. Concernant ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir qu'à l'âge adulte, le crocodile du Nil se caractérise par une taille approximative de 5 mètres de long pour une masse d'environ 500 kg. Bien entendu, certains individus peuvent atteindre une taille avoisinant les 7 mètres de long. Mais il s'agit là d'exceptions, et je souhaiterais dans ce cours rester dans le cadre de la généralité afin que ce dernier soit le plus digeste possible. Alors, considéré comme étant un redoutable prédateur, le crocodile du Nil est responsable de 480 attaques à l'homme, dont 123 mortelles, et ce sur le sol africain entre 2010 et 2014. Ceci est certainement le résultat de sa force de morsure herculéenne, qui est de l'ordre de 22 000 N. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Effectivement, c'est une espèce eh bien, qui se propulse dans l'eau grâce à sa longue queue très musclée, qui lui permet d'ailleurs d'atteindre d'assez bonnes pointes de vitesse. Donc, une aubaine pour la chasse au gibier, bien entendu. Il se reconnaît également par un long museau triangulaire, sachant que ses yeux ainsi que ses narines sont situés au sommet de son crâne. Alors, évidemment, une membrane protectrice protège ses yeux et un repli gulaire est également présent dans sa gueule, donc plus précisément près de son palais d'ailleurs, afin de pouvoir rester sous l'eau avec la gueule grande ouverte et sans avoir le malheur de se noyer. Notez que ses dents s'emboîtent parfaitement bien. Et d'ailleurs, lorsqu'il dévore une proie et qu'il s'est cassé une dent, eh bien, celle-ci repousse avec une capacité de repousse d'environ 50 fois. C'est quand même assez impressionnant d'ailleurs. Sachez également que certaines dents, notamment la quatrième mandibulaire, dépassent sur le côté lorsque la gueule est fermée, ce qui, bien entendu, lui donne cet air si singulier. Mais ce n'est pas tout, hein. C'est aussi un animal qui possède quatre petites et puissantes pattes, à savoir deux pattes antérieures qui présentent cinq orteils et deux pattes postérieures
qui présentent 4 orteils, puis qui sont par la même occasion palmés. D'ailleurs, lorsqu'il se déplace sur Terre, eh bien, il utilise ses pattes, mais seuls les avant-bras bougent. Et sachez qu'il peut courir jusqu'à 17 km par heure, mais ce, seulement sur de courtes distances. Enfin, le crocodile du Nil est une espèce qui peut vivre jusqu'à 100 ans, soit une longévité assez importante, hein, reconnaissons-le. Pour ce qui est de son régime alimentaire, eh bien, il est intéressant de savoir que les juvéniles se nourrissent d'insectes, d'amphibiens, puis de mollusques. Mais une fois la maturité sexuelle atteinte, soit au bout de 8 ans, eh bien, ils se mettent à chasser du poisson, des oiseaux et de petits mammifères. Enfin, les adultes imposants, quant à eux, eh bien, se nourrissent d'antilopes, de zèbres et de gnous. Se camouflant dans l'eau, les crocodiles du Nil chassent en embuscade, notamment lorsque les mammifères viennent s'abreuver au point d'eau ou ces derniers demeurent cachés. Bien. Alors, concernant la reproduction maintenant, eh bien, il est bon de savoir que chez cette espèce, la fécondation est interne et dure 2 mois après l'accouplement. La femelle pond en moyenne une cinquantaine d'œufs dans un nid creusé dans le sable. Le temps d'incubation, lui, s'étale sur plus ou moins 3 mois. Et à la naissance, eh bien, les nouveau-nés mesurent environ 30 cm de long. Et qu'ils soient mâles ou femelles, eh bien, ces petits ont le même corps que leur mère. D'ailleurs, cette dernière aide ses petits à gagner l'air libre et les prend dans sa gueule pour les mettre à l'abri dans l'eau. Relevez également que seuls 5% des petits survivront aux prédateurs, puisque la mère arrêtera de veiller sur eux 2 ans après la naissance. À présent, sachez que toutes les populations du crocodile du Nil sont inscrites à l'annexe 1 de la Convention de Washington, mis à part les populations des pays suivants qui, elles, sont inscrites en annexe 2 de la même convention, à savoir l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Malawi, le Mozambique, Namibie, l'Ouganda et la Tanzanie. Les effectifs sont estimés entre 250 000 et 500 000 individus. Alors, bien entendu, la surchasse effectuée durant une bonne partie du XXe siècle est à l'origine de la réduction de ces effectifs. Cependant, depuis l'émergence des programmes de protection, eh bien, les effectifs de l'espèce sont en hausse dans de nombreux pays. Alors en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, voici ce qui est à retenir sur le sujet du crocodile du Nil. Eh bien, c'est un animal d'Afrique au corps massif. Il est impressionnant, surtout de par son énorme gueule. Lorsque celle-ci est fermée, eh bien, 2 longues dents de sa mâchoire inférieure en dépassent. Sa puissante dentition lui permet également de mordre, mais pour autant pas de mâcher. Et pour finir, eh bien, notez qu'il préférera laisser ses grosses proies pourrir quelques jours dans l'eau avant de les déchiqueter. Bien. Poursuivons à présent avec la description d'une nouvelle espèce, il s'agit du crocodile marin. Alors, originaire d'Asie du Sud, voire d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, le crocodile marin est une espèce relativement connue. Bien que sa population ait beaucoup diminué ces dernières années, notamment en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Sri Lanka et au Vietnam, eh bien cette espèce est devenue extrêmement rare et en voie de disparition dans plusieurs de ces pays.
Cependant, il s'agit du crocodile le moins susceptible de s'éteindre en raison de sa large répartition au nord de l'Australie ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. En Inde, ce crocodile est extrêmement rare dans la plupart des zones, mais pour autant très commun dans la partie nord-est du pays. Le crocodile marin est également présent dans des zones très limitées du Pacifique Sud, une population moyenne dans les îles Salomon et une très petite population proche de l'extinction au Vanuatu. De plus, sachez que les crocodiles marins étaient auparavant présents à l'ouest jusqu'à la côte orientale de l'Afrique, aux îles Seychelles et à Madagascar, et tout au long de la côte africaine également. Ces crocodiles ont été considérés comme une population des crocodiles du Nil, mais ont été plus tard reconnus en tant que crocodiles marins. Alors, cette information me semblait assez intéressante à vous partager, même si en réalité, il n'y a pas vraiment d'intérêt en ce qui concerne vraiment la description même de cette espèce. Alors, relevons qu'il s'agit d'une espèce qui fréquente autant les eaux douces que les eaux salées. Hein. D'ailleurs, ce crocodile passe généralement la saison tropicale humide dans les marais et rivières d'eau douce et rejoint les estuaires à la saison sèche en allant parfois jusqu'à la mer. Ça peut arriver. Alors, étant des animaux territoriaux, les crocodiles marins entrent violemment en compétition donc pour leur territoire. Alors, effectivement, les mâles dominants occupent généralement les tronçons les plus intéressants des criques et ruisseaux d'eau douce en tout genre. Quant à eux, les jeunes crocodiles, ils sont contraints aux zones humides marginales et parfois à l'océan. C'est la raison pour laquelle nous pouvons rencontrer cette espèce sur un large territoire, à savoir de la côte orientale de l'Inde jusqu'au nord de l'Australie. Alors, en ce qui concerne ses caractéristiques, sachez qu'il peut mesurer près de 5 mètres de long à l'âge adulte pour une masse d'environ 500 kg, voire la tonne pour les plus imposants sujets. Le crocodile marin est, tout comme le crocodile du Nil, un redoutable prédateur. Alors, bien que les mâles peuvent atteindre de très grandes tailles, notez tout de même que les femelles sont généralement plus petites. En effet, ces dernières atteignent en général 3 mètres de long à l'âge adulte et sont sexuellement matures lorsqu'elles dépassent les 2,50 m de long. Alors, le crocodile marin se caractérise par le nombre de plaques cuirassées sur son cou, puisqu'il en possède beaucoup moins que les autres crocodiliens. Une particularité qui lui permet d'être plus facilement reconnaissable, certes. Sachez également que son large corps contraste avec la plupart des autres crocodiles. Il peut aussi se distinguer par une peau nuancée d'une couleur, donc qui varie du brun au gris. De plus, notez que sous l'eau, cette espèce peut atteindre une pointe de vitesse d'environ 28 km/h, ce qui est pas mal, mais seulement lors d'un court sprint, par contre. Puisqu'en règle générale, sa vitesse dépasse rarement les 5 km/h. Enfin, il est intéressant de savoir que sa longévité est d'une quarantaine d'années. Alors, en ce qui concerne son régime alimentaire, il faut savoir que le crocodile marin s'avère être très, très, très opportuniste, puisqu'il se nourrit de poissons, de singes, de kangourous, de sangliers, de varans, de tigres également, de buffles, voire même de requins. C'est pour cela que j'insistais tout à l'heure sur le fait que c'était vraiment un redoutable prédateur. Concernant le sujet de la reproduction, alors comme j'ai pu vous le dire, la femelle est sexuellement mature lorsqu'elle atteint une taille de 2,50 m de long, soit vers l'âge de 12 ans. Une fois que cette dernière s'est accouplée, puis lorsque la période de gestation arrive à son terme, la femelle dépose une soixantaine d'œufs dans un trou. D'ailleurs, ce dernier est généralement creusé dans un sol sablonneux.
Bien que les œufs soient sujets aux prédateurs, eh bien la femelle n'hésite pas à monter la garde afin de faire fuir les varans affamés ou encore certains aborigènes souhaitant consommer les œufs du crocodile marin. L'éclosion, quant à elle, s'effectue 3 mois après la ponte. Et notez que les petits resteront sous la protection des parents durant plusieurs années. Bien. Alors, il me semble important de savoir, ou du moins de vous dire, que les populations de cette espèce sont inscrites en annexe 1 de la Convention de Washington, mis à part celles d'Australie, d'Indonésie et de Nouvelle-Guinée, qui sont quant à elles inscrites en annexe 2 de cette même convention. D'ailleurs, les effectifs sont estimés entre 200 000 et 300 000 individus. Leur conservation est pour le coup difficile, notamment de par leur réputation de mangeurs d'hommes et compte tenu de la valeur de leur peau, du braconnage et toute autre activité lucrative aux dépens de cette espèce. Alors, pour autant, à ce jour, la menace principale s'avère être la destruction de leurs habitats naturels. Bien. Enfin, voici ce qui est à retenir sur le crocodile marin. Alors, c'est un animal qui tolère aussi bien l'eau douce que l'eau salée. Il se rencontre dans les rivières, les marais et le long des côtes australiennes et sud-asiatiques. Pouvant mesurer jusqu'à 7 mètres de long et peser plus d'une tonne, il est le plus grand et le plus lourd crocodilien vivant. De plus, c'est un redoutable prédateur, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'il n'hésite pas à s'attaquer à de gros mammifères, notamment à l'homme. Voilà, à peu près toutes les informations qui sont à savoir pour tirer un portrait de cet animal. Alors, la description du crocodile marin étant désormais terminée, nous pouvons à présent continuer notre aventure par la découverte d'un nouveau membre de la famille des crocodilidés, puisque c'est au tour du crocodile d'Amérique. Alors, originaire d'Amérique centrale, du Mexique, de la Floride et des Antilles, puis d'Amérique du Sud, eh bien, le crocodile d'Amérique est certainement une espèce emblématique issue de certaines cultures américaines. Alors, c'est une espèce qui fréquente autant les eaux douces, à savoir les fleuves, les lacs ou autres points en tout genre, que les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les langues côtières ou encore les marais palétuviers. Alors, concernant ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir qu'il se caractérise par une assez grande bosse présente sur son museau, et ce entre ses yeux ainsi que ses narines. Les éléments osseux de son cuir dorsal sont plus réduits et plus asymétriques que ceux des autres espèces. À l'âge adulte, les mâles peuvent atteindre une taille comprise entre 5 et 6 mètres de long. Alors 7 mètres pour les sujets d'exception, puis peser entre 300 et 400 kg. A noter que cette espèce possède une longévité d'environ 30 ans et se distingue du caïman par la forme en V de sa tête, puis par un museau plus pointu. De plus, sa réputation de tueur le précède. Hein, effectivement, ce crocodile est associé à de nombreuses attaques commises sur du bétail. Cependant, les cas avérés sont relativement rares. Il se distingue également par une particularité que les autres crocodiliens n'ont pas. En effet, le crocodile d'Amérique possède une quatrième dent de chaque côté de la mâchoire inférieure qui, une fois la gueule fermée, dépasse et pointe vers le haut. Enfin, plutôt timide et au tempérament calme, certaines attaques à l'homme ont pu être observées au Mexique, au Costa Rica
et au Guatemala, mais il s'agit là d'exceptions, et je souligne bien ce mot. Vraiment des événements extrêmement rares. D'autant plus que ces attaques sont rarement rapportées par la presse locale, mais je pense qu'il faut tout de même en avoir conscience. Alors pour ce qui est de son régime alimentaire, sachez qu'il se nourrit principalement de poissons, donc il chasse dans les eaux douces ou saumâtres, et consomme occasionnellement de petites tortues ainsi que des crabes qui pourraient éventuellement passer à sa portée. Pour ce qui est du sujet de la reproduction, eh bien notez que certaines recherches démontre que lors de la période de reproduction, eh bien c'est la femelle qui prend l'initiative de la parade nuptiale. Bien que l'accouplement s'effectue dans l'eau, la femelle pond généralement une quarantaine d'œufs dans un trou qu'elle aura bien entendu creusé dans du sable, puis non loin d'une litière végétale, qu'elle n'hésitera pas à utiliser pour recouvrir son nid. Le temps d'incubation, quant à lui, est compris entre 80 et 110 jours, sachant que la température sous laquelle les œufs incuberont influencera réellement sur le sexe des futurs petits. Sachez également que la femelle montera la garde pour surveiller son nid et le défendre contre les éventuels prédateurs. Alors une fois les petits sortis de leur coquille, eh bien la mère les protégera durant 2 ans, afin de les préserver de la multitude de prédateurs qui fréquentent ces mêmes milieux. Alors un peu d'histoire maintenant. Sachez qu'en 1979, eh bien, le crocodile d'Amérique a été considéré comme étant une espèce protégée. Elle est d'ailleurs inscrite en annexe 1 de la Convention de Washington depuis 1989, sauf pour les populations de Cuba qui, elles, ont été inscrites en annexe 2 de cette même convention. Alors actuellement, nous estimons qu'il existe entre 10 000 et 20 000 individus. Les conséquences de la diminution drastique de cette population sont simples. Il s'agit du résultat de nombreuses chasses menées sur ce dernier afin de pouvoir vendre sa peau aux plus offrants. C'était surtout le cas jusque dans les années 60, puisque depuis, c'est plus le résultat de l'urbanisation intensive, soit la diminution de son espace de vie. Alors, voici ce qui est à peu près à retenir au sujet du crocodile d'Amérique. Alors, notons que ce dernier a pour habitude de vivre dans les eaux douces et saumâtres. Son territoire, quant à lui, s'étend des États-Unis jusqu'au nord de l'Amérique latine. On le confond d'ailleurs fréquemment avec l'alligator américain. Pourtant, il se distingue par un museau plus long, plus fin et par une peau beaucoup plus claire que l'alligator. Bien, poursuivons à présent notre petite aventure avec la découverte d'une nouvelle espèce, puisqu'il s'agit du crocodile nain. Alors sachez que le crocodile nain se rencontre principalement en Afrique, et plus précisément au Sénégal, au Mali, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ainsi qu'une dizaine d'autres pays du continent. Alors, il fréquente habituellement les mares permanentes, les marais ainsi que les zones humides des forêts tropicales. Concernant ses caractéristiques, et bien notez que c'est un petit crocodilien qui mesure généralement entre 1m40 et 1m60 de long à l'âge adulte, et il est très rare d'en observer atteignant une taille qui avoisine les 2 mètres de long, d'autant plus que le dernier record enregistré est de 1m90 de long. À l'âge adulte, et bien le crocodilien pèse environ 25 kg et peut vivre jusqu'à 70 ans. Alors il se caractérise par une couleur assez foncée sur l'intégralité de son corps, mis à part son ventre qui lui
est de couleur jaune et composé de petites taches noires. Il est également reconnaissable par un museau plutôt court, mais tout de même très imposant. Pour ce qui est de son comportement, eh bien, il est intéressant de savoir que le crocodile nain est un animal plutôt solitaire, sauf durant la période de reproduction, bien entendu. Principalement nocturne, cette espèce passe la majeure partie de son temps cachée dans un terrier ou sous des racines à se reposer et à attendre la tombée de la nuit. Sachant que durant la saison des pluies, eh bien, ce crocodile s'invite sur terre tout simplement pour s'y promener. Alors concernant son régime alimentaire, sachez que le crocodile nain est réputé pour être un assez bon prédateur aquatique. En effet, ce dernier consomme une grande variété d'espèces, telles que des poissons, des crustacés ou encore des amphibiens en tout genre. Pour ce qui est de la reproduction, notons que la femelle pond en général une dizaine d'œufs, et ce dans un trou qu'elle aura préalablement creusé dans un sol sablonneux, voire boueux, ça peut arriver. Alors une fois la ponte effectuée, elle restera à proximité de son nid pour monter la garde contre d'éventuels prédateurs. Le temps d'incubation quant à lui est compris entre 90 et 110 jours. À la naissance, eh bien, les nouveau-nés se distinguent par une bande de couleur brune claire sur le corps et la queue, ainsi que des taches jaunâtres sur la tête. Ces derniers mesurent en général 28 cm de long et sont protégés par leur mère quelques mois après leur éclosion. Mais vous le savez aussi bien que moi que cela ne durera pas une éternité. Sachez également qu'à ce jour, la population comprend entre 30 000 et 90 000 individus. Bien que l'effectif fût fortement réduit, elle ne figure pas dans la liste des espèces menacées d'extinction, mais se situe tout de même dans la liste des espèces comme étant vulnérables. Enfin, voici ce qui est à retenir sur le crocodile nain. Alors, c'est un crocodile qui peuple les cours d'eau des forêts tropicales africaines. Il s'agit du plus petit crocodile de la famille des crocodilidés. Il est plutôt opportuniste et se nourrit de nombreuses espèces peuplant les zones aquatiques de son milieu d'origine. Il faut savoir également que c'est un redoutable prédateur, du moins tout dépend de l'échelle bien entendu. Et bien que sa population fût réduite, ce crocodile possède uniquement le statut d'espèce vulnérable. Bien, enchaînons maintenant avec une autre espèce, mais cette fois-ci avec un animal plutôt unique, devrais-je dire, voire hors du commun, puisqu'il s'agit du faux gavial de Malaisie. Alors, originaire de Malaisie, puis d'Indonésie et plus particulièrement des îles de Sumatra et de Java, ainsi que dans l'état du Kalimantan, eh bien, il faut savoir que le faux gavial de Malaisie fréquente les lacs d'eau douce, les rivières ainsi que les marécages. D'ailleurs, il semble apprécier les environnements riches en végétation aquatique dans lesquels il aime se camoufler. Alors, à l'âge adulte, le faux gavial de Malaisie peut atteindre de 5 à 6 mètres de long et pesait près de 600 kg. Il se caractérise d'ailleurs par un museau long et effilé. Les juvéniles se reconnaissent par une couleur qui varie du brun foncé au noir, puis sont composés d'une bande noire sur la queue et le corps. Le ventre, quant à lui, est de couleur blanc voire crème. De plus, des petites taches noires sont également observables au niveau de ses mâchoires. Sachant qu'une grande partie de cette coloration et conservé à l'âge adulte. Ah oui, et les mâchoires présentent un total d'environ 80 dents. C'est important de le souligner. Enfin, c'est un animal qui peut vivre plus d'une vingtaine d'années. Bien. Alors, sachez également qu'à ce jour,
Eh bien, certains chercheurs s'accordent à croire que le faux gavial de Malaisie aurait plus en lien avec la famille des gavialidés que des crocodilidés. Alors, je veux bien évidemment faire référence à la théorie de la convergence évolutive. Tout d'abord, notons que le faux gavial de Malaisie partage comme principale similitude avec le gavial du Gange un museau long et assez fin. Contrairement aux autres espèces issues de la famille des crocodilidés qui présentent un museau beaucoup plus large ainsi qu'imposant, il s'agit d'un trait physique également observable chez le faux gavial d'Afrique, important de le souligner. Alors, une théorie semblable à celle de Darwin pourrait nous laisser croire que l'évolution des espèces animales à travers le temps aurait donné naissance à deux espèces différentes, peuplant des environnements différents, mais avec une particularité identique, celle du long et fin museau. Alors pour autant, d'autres chercheurs aiment à penser qu'il s'agit plutôt d'une convergence évolutive, dont le résultat est l'acquisition d'un trait caractéristique à plusieurs êtres vivants, mais non hérité d'un ancêtre commun à ces derniers, mais plutôt qui a évolué de façon indépendante, par exemple. Alors ce phénomène a sûrement pu être favorisé par le régime alimentaire du sujet, puisque le faux gavial de Malaisie, le faux gavial d'Afrique, ainsi que le gavial du Gange, eh bien, se nourrit majoritairement de poissons, donc leur museau leur permettrait sûrement d'être plus rapide et précis lors de la chasse. Alors si c'est réellement le cas, il s'agirait là d'une spécialisation évolutive. Cependant, eh bien, ce genre de particularité peut aussi s'avérer problématique à l'avenir. Effectivement, contrairement aux autres espèces appartenant à la famille des crocodilidés, où leur régime alimentaire est peu varié à la cause de leur long et fin museau, ne leur permettant ainsi de ne pas s'alimenter d'imposantes proies, et auquel cas, si les poissons venaient à disparaître, eh bien, les faux gaviales ne pourraient pas s'alimenter par des proies de substitution. Sachant que les bancs de poissons se sont vus diminuer au fil du temps suite à la pêche, voire à la surpêche pratiquée par l'homme. Mais bon, il s'agit là d'un autre sujet. Alors, pour ce qui est de son régime alimentaire, vu qu'on en a fait écho, notez qu'il est majoritairement composé de poissons, voire occasionnellement de crustacés, d'insectes et exceptionnellement de petits mammifères. Pour ce qui est du sujet de la reproduction, il me semble intéressant de vous dire que la maturité sexuelle est atteinte lorsque le faux gavial de Malaisie atteint une taille d'environ 2,50 m de long. Une fois l'accouplement effectué ainsi que la période de gestation arrivée à son terme, eh bien, la femelle pond généralement une quarantaine d'œufs dans un nid qu'elle fabrique avec l'aide des éléments du substrat, à savoir des débris de végétaux tels que la tourbe par exemple. Le temps d'incubation quant à lui est estimé à environ 90 jours, sachant que lorsque les nouveau-nés viennent à sortir de la coquille, eh bien, beaucoup d'entre eux se voient dévorer tout au long de leur croissance suite aux prédateurs qui cohabitent avec eux. D'autant plus que la femelle abandonne le nid une fois la ponte effectuée, contrairement aux espèces que je vous ai précédemment décrites. Bien. Alors, parlons maintenant de leur statut. La destruction de leur habitat a été causée par la construction de barrages ainsi que par la déforestation. D'ailleurs, il s'agit là de la principale cause de leur déclin. La chasse intensive dans certaines régions, en particulier à Sumatra au milieu du XXe siècle, a grandement contribué à la diminution de la population. Il y a également les captures accidentelles dans les filets de pêche ou encore l'empoisonnement qui constitue une toute autre menace dont ce crocodile doit faire face constamment. Les effectifs de cette espèce sont estimés à environ 2500 individus, ce qui me paraît peu.
Mais je ne pense pas être le seul à le penser, puisque des programmes d'élevage ont été lancés en Europe et aux États-Unis. Qui plus est, sachez que le faux gavial de Malaisie figure actuellement dans la liste rouge et en annexe 1 de la Convention de Washington. Alors avant de conclure avec la famille des crocodilidés, eh bien voici ce qui est à retenir sur le faux gavial de Malaisie. Alors, résident dans les rivières de Malaisie, ce faux gavial ressemble à s'y méprendre au gavial du Gange. Comme ce dernier, ce crocodilien farouche est muni d'un long museau étroit, limité par la taille de sa gueule, il se nourrit surtout de petites proies. Voilà, tout simplement. Alors c'est une définition très simpliste que je vous propose là, mais étant donné l'unicité de cette espèce, eh bien je pense que vous pouvez en retenir davantage. Bien, nous pouvons désormais découvrir certaines espèces issues de la famille des alligators, à commencer dès maintenant par la description de l'alligator de Chine. Alors, originaire d'une grande partie de la République populaire de Chine, l'habitat de l'alligator de Chine s'est réduit à quelques étangs parmi les siècles. Alors, effectivement, la conversion de son habitat en zone agricole a fortement perturbé la descendance de cette espèce, tout comme l'empoisonnement des rats au service d'une agriculture productive qui a par la même occasion empoisonné l'alligator de Chine, puisque le rat étant une proie naturelle de cet animal. Ainsi, cette espèce ne survit plus que dans quelques étangs des provinces de Jiangsu, de Zhejiang et de Anhui, dans l'extrême est du pays, ainsi que dans quelques fermes d'élevage. Alors, concernant ses caractéristiques, eh bien, sachez que l'alligator de Chine est le second représentant de la famille des alligatoridés, avec l'alligator d'Amérique, et il est le plus petit en taille. Hein. Alors, habituellement, ce spécimen peut atteindre une taille de 1,50 m de long, voire 2 m de long pour les plus grands sujets. Sa masse est d'environ 40 kg à l'âge adulte et il peut vivre généralement une cinquantaine d'années. Alors, il se caractérise par un corps qui, contrairement à son cousin, est totalement recouvert d'écailles, y compris sur le ventre. Et pour ce qui est de sa gueule, eh bien, sachez qu'elle est plutôt large et courte. Alors, compte tenu de son extrême rareté à l'état sauvage, eh bien, ses mœurs ne sont pas bien connues. Mais nous pouvons déjà affirmer qu'en ce qui concerne son comportement, eh bien, de jour, il passe de longues heures à emmagasiner la chaleur du soleil, et la nuit, il s'immerge au bord de la rive à l'affût de ses proies. De ce fait, il s'agit donc d'un chasseur nocturne. Pour ce qui est de son régime alimentaire, eh bien notez que l'alligator de Chine se nourrit principalement de poissons, de crustacés, d'insectes, de gastéropodes et de petits mammifères tels que des rongeurs, comme j'ai pu vous en faire part concernant l'empoisonnement des rats. Concernant la reproduction, eh bien il est intéressant de savoir que le mâle chante pour attirer la femelle. Et une fois l'accouplement effectué, puis arrivé au terme de la gestation, eh bien, sachez que la femelle pond en moyenne une quarantaine d'œufs dans un nid en boue ainsi qu'en débris de végétaux. Le temps d'incubation, quant à lui, dure une soixantaine de jours sous la garde de la mère, bien entendu. Et à leur naissance, eh bien, la femelle transporte les jeunes dans l'eau, sachant qu'elle les protégera jusqu'au printemps suivant. Bon. À noter que l'alligator de Chine est une espèce menacée, hein, notamment du fait qu'il ne reste qu'environ 150
individus. Et il s'agit là d'une étude récente. C'est pourquoi la mise en place de programmes d'élevage a permis d'éviter l'extinction totale de cette espèce. Pour autant, noter qu'en captivité, l'alligator de Chine est prolifique. En effet, lorsqu'il se développe dans un environnement, préservé, les résultats de reproduction de cette espèce sont majoritairement positifs. Phénomène pratiquement inexistant dans son milieu naturel suite à la diminution de son espace de vie, ainsi qu'à la rareté et sûreté des lieux de ponte. C'est pourquoi l'alligator de Chine figure en annexe 1 de la Convention de Washington, ainsi que sur la liste rouge de l'UICN, soit l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme étant une espèce en danger critique. Enfin, voici ce qui est à retenir sur l'alligator de Chine. Alors, peuplant les fleuves chinois Shangjiang, par exemple, l'alligator de Chine est une espèce de petite taille par rapport aux autres espèces semblables, telles que d'autres alligators, d'autres crocodiles ou encore d'autres gaviales. Il n'en est pas moins doté d'une puissante mâchoire lorsqu'il chasse. Il se campe d'ailleurs à l'affût des heures durant, ne laissant dépasser de l'eau que ses yeux et ses narines situées au sommet de son crâne. Bon, il me semble avoir tout dit le concernant, alors poursuivons ces descriptions avec le prochain sujet, avec la découverte d'une nouvelle espèce, puisqu'il s'agit du caïman à lunettes. Alors, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le caïman à lunettes se rencontre plus précisément au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua également, au Panama, au Pérou, en Guyane, au Venezuela, en Bolivie et quelques autres petites régions américaines. Alors, notez que cette espèce fréquente principalement la plupart des milieux humides de ses aires de répartition. Néanmoins, il a une légère préférence pour les eaux stagnantes comme les lacs, les étangs ou les marais par exemple. Si la salinité de l'eau s'avère trop importante, il tentera de trouver un autre point d'eau. De plus, si les conditions environnementales sont trop sévères, le caïman à lunettes n'hésitera pas à s'enfoncer dans la boue puis à entrer en hibernation. Concernant ses caractéristiques, c'est relativement simple. Il mesure près de 1,80 m de long à l'âge adulte, du moins pour le mâle, puisque la femelle mesure en moyenne 1,40 m de long. Le caïman à lunettes pèse en moyenne une vingtaine de kilogrammes. Les jeunes caïmans à lunettes se caractérisent par une couleur jaunâtre, composée de taches et de bandes noires sur le corps ainsi que la queue. Mais une fois arrivé à la maturité, la couleur du corps deviendra vert olive et les taches noires seront moins visibles. Cette espèce qui, je le rappelle, a pour nom le caïman à lunettes est ainsi nommée suite à la crête osseuse qu'il possède entre ses yeux et qui nous fait étrangement penser à une paire de lunettes. Mais sa crête osseuse située entre les yeux n'est pas sa seule particularité. En effet, ce caïman est également doté d'une crête triangulaire sur le dessus de l'œil. Alors, tout comme les autres membres de la famille des alligators, le museau du caïman à lunettes s'avère être assez large et plutôt arrondi. Pour le coup, on ne connaît pas réellement la longévité exacte du caïman à lunettes. La durée de vie connue à l'état sauvage est estimée à environ 60 ans, cependant 30 à 40 pourrait être l'âge moyen. Sachant qu'en captivité, la durée de vie moyenne est de 20 ans. Bien. Alors, avant de poursuivre sa description avec le sujet du régime alimentaire, intéressons-nous à son comportement. Déjà, sachez que cette espèce est assez solitaire.
du moins la majeure partie de son temps. Cependant, il est déjà arrivé d'observer le caïman à lunettes en compagnie de ses semblables, que ce soit près d'un point d'eau isolé ou encore à se thermoréguler sous le soleil au cours de sa journée. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que cette espèce se nourrira plus la nuit. Donc on relève une activité de chasse majoritairement nocturne. De plus, il me semble important de préciser que durant la période de reproduction, ce caïman aura tendance à se montrer territorial, ainsi qu'agressif d'ailleurs. Au sein de ces groupes, un rang social est strictement déterminé par la taille des individus. Évidemment, les plus grands dominent les plus petits, ça va de soi. Et bien entendu, les sujets dont le rang social s'avère être le plus élevé auront beaucoup plus de chances de s'accoupler que ceux qui sont issus d'un rang inférieur. Alors, concernant son régime alimentaire, sachez qu'il est parfaitement bien adapté à la vie aquatique. Les jeunes caïmans à lunettes se nourrissent essentiellement d'invertébrés, tels que des escargots, des insectes ou encore des crustacés. Mais notons qu'une fois adulte, eh bien, la variété des proies se diversifie. En effet, ce dernier chassera beaucoup moins d'insectes et aura tendance à privilégier les poissons, les amphibiens, les reptiles et certains volatiles en guise de repas. Bien que les plus grands spécimens peuvent s'attaquer à de petits gibiers, sachez également qu'en période de famine, notamment durant la saison sèche où la nourriture se fait rare, eh bien, les adultes auront tendance à s'attaquer aux petits caïmans. Enfin, bien que le caïman à lunettes utilise le goût, le toucher, le son le sens visuel pour la communication sociale et reproductive, eh bien, sa capacité à détecter les vibrations dans l'eau lui permet de détecter ses proies de manière très efficace. Pour ce qui est du sujet de la reproduction, eh bien, sachez qu'il a été démontré que le caïman à lunettes atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 5 à 6 ans, voire 7 ans, pour les plus lents. D'ailleurs, en ce qui concerne leur entre guillemets hiérarchie animale, le statut social influencerait du moins le taux de croissance ainsi que la reproduction. Effectivement, certains jeunes seront incapables de s'accoupler à cause de cette tension sociale, notamment causée par la présence des grands mâles dominants. Pour ce qui est de la relation mâle-femelle, eh bien, notez que le caïman à lunettes est polygame. La période d'accouplement se déroule durant la saison humide, soit d'avril à août. La femelle pond une vingtaine d'œufs dans un nid constitué de boue et de débris de végétaux, qu'elle aura d'ailleurs confectionné par elle-même. La période d'incubation, quant à elle, dure entre 70 et 110 jours. Après l'éclosion, la mère dégage la végétation qui recouvre les œufs et aide ses petits à sortir de leur coquille. À la naissance, les nouveau-nés mesurent entre 18 et 22 cm de long. De plus, notez que la mère protégera ses petits quelques temps après l'éclosion, dont un an et demi environ, sachant que cette dernière peut prendre en charge plusieurs groupes de nouveau-nés provenant eux-mêmes de parents différents. Alors, pendant ce temps-là, une hiérarchie sociale se mettra en place d'ailleurs chez les jeunes. Sachez également que la peau du ventre de ce caïman n'est pas très prisée pour les activités de tannage et de maroquinerie. Effectivement, cette peau ventrale étant recouverte de plaques osseuses très développées, rendant ainsi les activités de maroquinerie inenvisageables. Pour autant, le caïman à lunettes est tout de même une espèce sujette à quelques menaces. Effectivement, la principale menace pour cette espèce est actuellement la chasse illégale. C'est pourquoi des mesures de contrôle accrues ainsi qu'une législation plus efficace sont nécessaires. Au vu de sa grande population dans le milieu sauvage, qui s'élève à plus d'un million de spécimens, le caïman à lunettes figure uniquement sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN,
soit l'Union internationale pour la conservation de la nature en tant que préoccupation mineure. Enfin, voici ce qui est à retenir sur le caïman à lunettes. C'est une espèce qui vit dans les rivières d'Amérique centrale et du bassin amazonien. Les plaques osseuses situées au-dessus de ses yeux donnent l'impression qu'elle porte des lunettes, d'où le nom qu'on lui a attribué. D'une rapidité redoutable, ce caïman est capable d'attraper d'un coup de mâchoire latérale tout ce qui passe à sa portée, et il s'agit là d'une caractéristique plutôt avantageuse. Alors, avant de conclure avec la famille des alligatoridés, poursuivons l'aventure avec la découverte d'une nouvelle espèce d'alligator, puisqu'il s'agit du caïman nain de Cuvier. Alors, le caïman nain de Cuvier provient d'Amérique du Sud, de la Colombie jusqu'au sud du Brésil et plus précisément dans le bassin amazonien. Alors, c'est une espèce qui fréquente les zones humides, telles que les rivières ou encore des ruisseaux au courant rapide. D'ailleurs, ce caïman a une légère préférence pour les eaux propres, claires et limpides. Donc concernant ses caractéristiques, il s'agit là de la plus petite espèce de caïman. Effectivement, à l'âge adulte, il dépasse rarement les 1,50 m de long et pèse près de 6,4 kg. Il se caractérise par une couleur qui varie du brun au rouge. La partie dorsale est presque entièrement noire, quant à elle, tandis que les mâchoires présentent de petites taches brunes plus ou moins claires. Alors, la queue est pour le coup assez marquée par des bandes encerclant la pointe. De plus, on identifie 8 écailles dorsales à l'endroit le plus large de son dos et 4 écailles dorsales entre ses deux pattes postérieures. 16 écailles ventrales sont également présentes dans la rangée longitudinale la plus large et reliant ainsi les deux flancs. Enfin, pour ce qui est des écailles nucales, elles se déclinent en 4 rangées, juste à l'arrière de la tête de ce caïman. Alors, une fois adulte, c'est un animal qui possède environ 80 ans et il est toujours bon de savoir que cette espèce peut vivre jusqu'à 25 ans à l'état sauvage, voire bien plus longtemps en captivité. Alors pour ce qui est de son régime alimentaire maintenant, notez que cette espèce est uniquement carnivore. Effectivement, à la naissance, les juvéniles se nourrissent majoritairement de crustacés et d'insectes. Puis à l'âge adulte, le caïman nain de Cuvier se nourrit également de poissons qui passent à sa portée. Concernant la reproduction, c'est assez simple, hein. Sachez que la femelle pond en général une vingtaine d'œufs qu'elle va cacher dans un nid composé d'humus et de débris de végétaux, qu'elle aura d'ailleurs confectionné avec le mâle à l'avance, soit un phénomène unique chez les alligatoridés, crocodilidés et gavialidés. Enfin, à la naissance, les juvéniles mesurent près de 20 cm de long et grandiront tout au long de leur existence. Voilà, tout simplement. Alors, avant de conclure avec la famille des alligatoridés, relevons que cette espèce est présente en annexe 2 de la Convention de Washington et figure également sur la liste rouge de l'UICN, soit l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, concernant les informations qui sont à retenir au sujet de cette espèce, notons que le caïman nain de Cuvier habite dans les zones des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Il a d'ailleurs pour habitude de se déplacer la tête haute et le cou dressé. Alors, il est considéré comme étant la plus petite espèce de la famille des alligatoridés,
Puis il n'est pas rare de le croiser sur les routes avoisinantes aux forêts d'Amérique du Sud le soir venu. Venons-en maintenant à la description de la dernière espèce de secours. Il s'agit du gavial du Gange, donc une espèce qui appartient à la troisième famille de ces dynasties. Je veux bien sûr faire allusion à la famille des gavialidés. Alors, à ce jour, cette espèce se rencontre dans le sud du continent asiatique et plus précisément dans le nord de l'Inde ainsi qu'au Népal. À savoir tout de même qu'auparavant, le gavial du Gange peuplait le fleuve sacré de l'Inde du Nord et était observable dans tous les pays frontaliers tels qu'au Bangladesh, au Pakistan et en Birmanie. Alors, c'est un animal qui aime les fleuves d'eau douce profonds, au courant calme ou rapide, ça dépend. Sachant qu'à l'état sauvage, nous pouvons principalement le rencontrer, et j'insiste bien là-dessus, dans les rivières d'Inde et du Népal. Concernant maintenant ses caractéristiques, eh bien, il est capable d'atteindre une taille d'environ 6,20 m de long à l'âge adulte et peser près de 500 kg. Le gavial du Gange est une espèce pouvant vivre une trentaine d'années. Alors, il se caractérise des autres familles par une particularité peu commune. En effet, tout comme le faux gavial de Malaisie précédemment décrit, eh bien, le gavial du Gange possède un museau fin et allongé. Par rapport au crocodile ou au caïman, sachez que ce spécimen est davantage conçu pour la vie aquatique. Il est également reconnaissable par la présence de plaques osseuses sur le dos ainsi que par des très courtes pattes. Des pattes d'ailleurs qui le pénalisent pour marcher sur la terre ferme, contrairement aux espèces issues des familles des crocodilidés et des alligatoridés. Alors, très à l'aise dans l'eau, il faut savoir que le faux gavial du Gange gagne la berge uniquement pour se thermoréguler ou afin de se reproduire. De plus, nous savons qu'à ce jour, cette espèce est inoffensive pour l'homme puisque les attaques sont extrêmement rares et uniquement d'ordre défensif. Notez également que le gavial du Gange est considéré comme étant assez sociable. Alors, concernant son régime alimentaire maintenant, eh bien, notez que le gavial du Gange est une espèce qui se nourrit principalement de la faune aquatique, à savoir des insectes, des grenouilles, des crustacés et des poissons. Pour ce qui est du sujet de la reproduction, eh bien, la femelle arrive à maturité sexuelle aux alentours de ses 13 ans, soit lorsqu'elle mesure 3 mètres de long. La période de reproduction, quant à elle, se déroule durant la saison sèche et il n'est pas rare de voir de violents affrontements entre les mâles. Donc un phénomène fréquent poussant les mâles dominants à conserver leur instinct millénaire de descendance absolue, hein, bien entendu. De ce fait, les gaviales du Gange s'accouplent sur les berges et une fois l'accouplement effectué ainsi que la période de gestation arrivée à terme, eh bien, la femelle va pondre une cinquantaine d'œufs dans un sol sablonneux. D'ailleurs, une fois la ponte effectuée, bien la femelle abandonne le nid pour reprendre une vie comme à son habitude. Les œufs, quant à eux, s'avèrent être plus gros que ceux des autres espèces précédemment décrites. Et enfin, sachez qu'à l'éclosion, les nouveau-nés mesurent approximativement une trentaine de centimètres. Alors, pour en finir avec cette espèce, il me semble important d'avoir à l'esprit que le gavial du Gange est une espèce très rare et considérée comme étant en danger d'extinction,
ce suite à l'urbanisation, soit à la destruction de son habitat naturel, ainsi qu'à la surpêche du poisson, qui, je le rappelle, constitue une grande partie de son régime alimentaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa population chuta rapidement ces dernières décennies, notamment en cette période de 1970 où l'on comptait qu'une population de 300 individus. Alors, à ce jour, ce nombre fut remonté puisque d'après nos dernières données, il y aurait environ 2000 gaviales à l'état sauvage. Pour autant, et comme j'ai pu vous le dire il y a quelques instants, l'espèce est toujours en danger d'extinction. Alors, avant de conclure avec la famille des Gavialidae, eh bien, voici ce qui est à retenir concernant le gavial du Gange. Alors, il est reconnaissable à son long et étroit museau, armé de dents pointues. Le gavial du Gange est également un expert dans la capture des poissons, qu'il attrape d'un coup brusque par le côté. Parfaitement adapté à la vie aquatique, il est en revanche, avec ses courtes pattes, un très mauvais marcheur. Et enfin, le mâle se reconnaît à l'excroissance qui pousse au bout de son museau. Alors avant de nous quitter, voyons ensemble autour d'un petit graphique circulaire les effectifs des populations animales, notamment des espèces que nous avons découvertes dans ce cours, encore présents d'ailleurs dans ce monde. Donc comme vous pouvez le constater, nous pouvons apercevoir en vert les effectifs des crocodilidés, en orange l'effectif des alligatoridés et enfin en rouge l'effectif des gavialidés. Donc avec un nombre
pour les crocodylidés de 900 000, pour les alligatoridés de 2 millions et pour les gavialidés de 2 000. Donc on observe bien vraiment qu'il y a une nette différence dans les populations et parmi les familles que nous venons de voir ensemble dans ce cours. Bien, ainsi s'achève ce cours, donc un cours qui nous a permis de découvrir les espèces les plus redoutables et originales de ce monde, toutes composées de caractéristiques différentes et pourtant présentent une particularité similaire, les menaces qui pèsent sur elles. Alors, certaines affectent quelques individus de leur espèce, puis d'autres l'espèce entière. Cette frontière entre considération morale individuelle et reconnaissance du droit à l'existence collective en dit long. D'autant plus si à ce jour, eh bien, certaines d'entre elles seraient éteintes, rayées de la carte, disparues de ce monde ou péries sous les activités d'une espèce qui, biologiquement parlant, figure au statut de proie, mais qui pourtant prétend être le roi.